Il y a 7 stages, BFDF, SV, Lylat, Duck Hunt et Townend City. Et du coup, bah, dès le premier match, on peut aller sur n'importe lequel, là où les joueurs se mettent d'accord. Et c'est parti justement sur Smashville. Du coup, voyons voir ce que ça vaut un Link, un vrai Link. Du coup, pas de button check, on est parti direct, donc il sort direct les bombes. Ouais, la down throw to utile qui va trade avec le neutral air. Je suis pas trop étonné, la hitbox de ce neutral air est tellement massive. En même temps, c'est la classique avec Luigi, je veux dire. Souvent, il est au-dessus de vous, il y a un neutral air, il va sortir de nulle part. En tout cas, ça gère bien son shield du côté de Jimmy Hurt pour le moment. Mais Vince, super patient et qui feinte à mort, hein. Il rend assez fou avec ses projectiles et dès que Jimmy Hurt arrive à rentrer dans sa zone, direct, il se fait repousser. Et cette fois, il va se faire punir, ouais, joli down throw to double fer. Jimmy Hurt qui commence déjà à struggle un petit peu, qui me fait mentir en mode peut-être que je peux facilement mettre la pression quand j'atteins ton shield, mais encore faut-il que je l'atteigne. Et Link, oh là, Link a quand même un bon jeu de zoning, première bombe. Dommage, ça va me faire très mal. Le neutral air, ça tentait pour 4-4, magnifique ça par contre. Ouais, il dash away, F smash. Donc le F smash de Link qui est normalement un 2 hit, exactement comme celui de Link, sauf qu'il a un tipper moins puissant que le deuxième hit du F smash, donc c'est dommage, mais quand même bien puissant, donc il se débarrasse de ce stock assez vite. Seulement 74%. Oh, ça se tentait de la part de Jimmy Hurt. Jimmy Hurt qui est un adepte de ce truc. Hein. Les Luigi français sont encore en train d'incorporer ça à leur metagame. Mais le spike au down B n'est pas inconnu pour notre ami anglais. Ça revient bien sur ça. Joli. Ça lit bien la roulade. Il va repartir dessus. Non, il respecte la remontée de Link avec le ZR. Difficile à edgeguard, joli encore une fois une shop, F-throw, rinse and repeat, je vais te remettre offstage autant de fois qu'il le faudra, gratter les pourcents de cette sorte. Dommage, c'était du mauvais sens pour choper ce grab, hein, mais on voit qu'il va viser ça. Hein. Ah, sa zone, il a du mal à approcher, et finalement, ça y est, il a ce petit trou. Vince pouvait plus rien faire, Jimmy Hurt était beaucoup trop proche, la mon action, il a pris trop de temps. Wow. What? Il a explosé. Alors, il faut croire que Luigi a quelques frames d'invincibilité sur son B-up. Ou alors, je pense, ou alors il a pulvérisé la bombe avant qu'elle ne le touche, je ne sais pas, étrange. Ça, du coup, ouais, c'est du trade avec la... Je vois étrange. Vince Kopka qui joue vraiment bien sur ce stock, hein. 160% le back air quand même, qui va venir s'en débarrasser. Ça reprend ses licences comme il faut, encore une fois, ça rend fou à l'atterrissage. Cette flèche, c'est alors comme il attend avant de la tirer. Hein. Que ce soit pour une air dodge, que ce soit pour une attaque, il attend toujours avant de tirer cette flèche à l'atterrissage de son adversaire. Joli neutral au milieu des jabs, hein, ça vient tout casser. Un up smash par contre dans shield, c'est punition directe, le double fer press grab. Les petites paires comme il faut, il a suivi l'atterrissage et mon dieu que ça a fait mal. Et Link, hein, tous les persos auraient pris cher dans ce genre de phase, hein, chic à tester, machin. Quand le combo est trop, bah tu boucles, mais alors Link encore plus. Avec son, je crois, son erreur le plus rapide, c'est un neutral air pas si rapide que ça, enfin c'est assez tragique. Et en plus, il est lourd ce pauvre perso, donc forcément allez, la claque là. Tu ne tech pas, tu te fais stage pipe direct, très propre de la part de Jimmy Hurt. Jimmy Hurt qui s'est vite rattrapé sur ce deuxième stock, hein. Il a perdu son premier stock très très vite sur un joli F smash de la part de Vince, mais sur l'ensemble de ce deuxième stock, c'est lui qui a mené la danse avec des grosses phases. Oula. Plus double saut, joli. Vince qui a fait un bump assez tôt, pas vertical, vraiment en diagonale, parce qu'il a vu que Jimmy Hurt a vu qu'il n'avait plus double saut, il s'est dit oulala, je suis surtout pas me prendre d'arnaque, on va direct faire mon bump, changer vite le registre. Voilà. Attention à pas être fort. Ah, solitaire. C'était risqué. Prends ses distances difficilement, hein. Non, c'est Jimmy Hurt qui mène un peu plus la danse. Les jeux de projectiles lui fait pas peur, il se met une situation où genre t'auras beau le tirer, je pourrais agir. Marrant, joli ça. La bombe qui va le couvrir, ouais. La bombe se serait tombée sur le sol sans exploser, mais puisqu'il y avait une hitbox d'un adversaire à son droit, elle a pété et l'a protégée, bien vu. Beaucoup de bombes, hein. Ça va bouffer les projectiles de Luigi, ce sont des projectiles énergétiques. Joli, une bombe au corps à corps qui tue presque. Joli setup, très joli setup, une up throw et ça passe. Vince qui le met sur sa dernière stock, malheureusement 68% quand même, c'est un bon retard. Et après, Jimmy Hurt aura peut-être moins la possibilité de faire ses gros combos, bien que ça risque de faire mal à la moindre ouverture. C'est vrai, sur un UR sur spot, un truc comme ça, c'est l'aérial qui lui permet de combo quand il a très haut pourcent. Mais de son côté, Link qui a... Punition optimisée. Oh, le grab dans le mauvais sens, il a couru direct, ni une ni deux. Shoryuken, merci pour le match. Ouais, je pourrais dash grab, je pourrais dash attaque. Non, Shoryuken, boum. Fallait pas faire ton grab dans le mauvais sens. Ce qui est dommage en plus, ce qui est vraiment dommage parce qu'il était vraiment pas loin. Hein. Ouais, donc effectivement, on a nos amis anglais et autres
dans le chat. So hi to our English speaking viewers. We remind you that today it's a French speaking stream and commentary. But tomorrow, for the biggest part of the day, actually, it will be English commentary. So tune in again tomorrow if you want to see perhaps your boy Jay Miller or just the French top players going at it with English commentary. Et là justement donc on revient vite en français, mais je pense que Miller qui fait un bon suivi avec ce Don B. Il met bien la pression sur le bar, finalement Vince qui saute sur cette boule de feu et permet de gagner un peu de terrain. Et c'est parti, il a commencé à imposer un peu son rythme avec les bombes, mais Luigi qui est de la récupérer. Joli ce petit neutre alert sans trop avancer, au moins ça a cassé la bombe, ça a arrêté la potentielle avancée de Jimmy Miller derrière, ça le mettait en respect, c'était intelligent ça. Vince qui trouve des petites ouvertures avec ses projets, hein, mais dans l'ensemble c'est plutôt lui voilà, qui se fait avoir sur les burst options de Luigi, sur les dash grabs, les trucs comme ça, même s'il le maintient bien à distance. Oh joli, tentative de dash attack. Et il a le temps de punir, hein. Le der qui est tellement loin l'atterrissage. Joli de la part de Jimmy Miller qui a bien pris son temps. Hein. La bombe qui a bien sauvé. Oh, il tire les stocks. Bien vu de la part de Vince. C'est le genre de risque qu'il faut prendre. Effectivement, il aurait pu remonter et continuer le match. Mais il a vu, ok, j'ai des pourcents en retard. Rien à foutre. On trade si tu veux vraiment venir sur moi avec ton B-side. J'avoue que c'était assez fou quand même. Dommage, le Gronky n'est pas là. Ça se tentait. Ça par contre. Jolie, belle passion sur le bord. Et du coup, Vince qui a complètement pris momentum avec cette action, 60% d'avance, qui pour l'instant arrive à bien zoner, mais il se fait avoir, et c'est peut-être exactement ce qu'il fallait à Jay Miller, voilà, qui va trouver d'un trop double fer, perfect shift to jab. Oh, la bombe qui tombe, non, ça n'explosera pas avec la pièce cette fois-ci. Assez mystique. Je pense que si tu mets une hitbox dessus, il y a moyen de la pas exploser ou de passer à travers, je suis pas trop sûr. Ça fait deux fois. Oh, mais la bombe qui va peut-être le sauver. Vince donc il s'assoit encore une fois, ça fait plusieurs fois que Jimmy Miller rate comme ça, je pense que ce B-side c'est tout simplement un autre B-down. Oh, le joli Parent Shield, deuxième hit. Il a tiré relâché le bouclier ou quoi, assez étonnant qu'il se l'ait pris. En tout cas ça a complètement tout ça, ça a donné un bon avantage à Vince, lui qui était plutôt mal parti pour cette section sur la fin. Joli cette shot. Il va trouver une down throw et avec toute la rage qu'il a, il pourra pas trade avec son autre alert. Jimmy Miller, il va devoir simplement manger ce utile. Joli. Des bonnes pressions, le joli, le petit jab directement en option match. Le F-Smash qui vient gratter ce shield encore un petit peu. Jay Miller qui va être obligé de jouer un petit peu safe, voilà. D'autant que contre un perso à Projo comme Link, c'est exactement ce dont tu as besoin d'un shield assez sain. Backthrow tout près de l'edge, ça va pas encore le faire, mais il n'y a plus de double saut sur Link, c'est risqué. Fast fall, très joli fast fall au moment où Jay Miller arrivait. Très important, ça passe derrière, ça fait un gros F-Smash dans le shield. Malheureusement, punition directe avec le F-Smash de Luigi cette fois-ci. Maintenant c'est Jimmy Miller qui a un léger retard, seulement 30% sur cette dernière stock. Vince, ça fait plusieurs fois qu'il essaie de placer ce U-Smash dans l'espoir que Jimmy Miller lâche son shield. Et c'est lui qui se fait avoir. En attendant donc, joli, wow, il va le chercher, il va venir lui mettre le B-Down. Oh non, dommage, il bourre pas assez son B-Down. C'était clairement un frame trap. Je te mets le down air, si tu dodge, je continue en B-Down. Et j'ai juste à le bourrer pour te mettre la hitbox qui spike, ne pas te mettre la fin du hit, mais cette fois... Jay Miller a surestimé son pouce et il a pas assez martelé et c'est lui qui a chuté. Il a même sauvé Vince au passage. Très malheureux. Donc ça fait 1-1 sur ce set. Ça fait 1-1. Ça fait un foutu 1 mine de rien. Très propre. Très propre. Par contre, on voit bien que Jay Miller au moins, c'est le genre de mec, même s'il est dans la pire des situations, il sera toujours fidèle à son jeu. Il y a toujours jusqu'au bout, justement. On peut le voir, un truc comme ça que tu tentes. Généralement, les joueurs, c'est leur dernière stock, ils vont avoir peur. Lui, non, il va jusqu'au bout. Maintenant, on va voir si ce dernier match, s'il a eu raison de tester cette erreur ou pas. On va voir si Vince peut gagner ce match ou pas, peut gagner ce set de fait. En tout cas, Jimmy Miller, on peut le voir très patient. Il ne bouge plus maintenant. Il ne bouge plus et il fait un mur de boule de feu. Et je pense qu'il va continuer à faire son mur jusqu'au bout. Après, c'est la bonne strat. Oh, le down air, mais encore une fois, il va lui mettre toutes les hitbox. Du coup, ça va envoyer vers le haut. Double saut, c'est risqué. Oh là là, Jimmy Miller qui nous fait une stock à merveille. Il lui fait complètement une espèce de gros mur du coup sur tout le long sur ce côté droit. Petit à petit, il va lui ruiner ses options d'avoir avec le Don B, etc. Et quand il chope enfin cette B du Link, il se met parfaitement au centre pour choper ce Don Air. Magnifique de la part de Jimmy Miller. Là, c'est compliqué pour Vince encore. Oh là là, il se fait arnaquer. Pas de la part de Jimmy Miller, mais il remonte largement. Il a son double saut. Et là, ça va être compliqué. Il va falloir. Honnêtement, du perfect play, tout simplement. Il peut plus se prendre de dégâts, aussi simple que ça. Et il faut qu'il essaye de gimp Jay Miller de la même manière que lui-même s'est fait gimp. Exactement. Ce qui est un peu compliqué, parce que je pense pas que Link a les mêmes options de gimp, en tout cas aussi facile. C'est ça, il a des options, mais encore faut-il trouver l'ouverture. Ah, il va peut-être ça, justement. Ah, ouais, ça avait été l'autre hitbox, mine de rien, ça aurait peut-être mieux marché. Le deuxième hit du down smash de Link, on voit carrément sur le côté, c'est un semi-spike.
En attendant, c'est quelques pourcents. Une bonne rin. Vince qui se fait gratter, c'est even. Il devrait pouvoir remonter avec sa bombe. Boum, boum, boum. Oh, le Shuriken qui le sauve. Dommage, Jimmy Lord a rien fait. Je pense que Vince aurait été mort à la fin de ce match. Joli petit jab. Oh, quand même, hein, il le fait payer pour avoir chopé cette bombe. Joli petit jab. Jimmy Lord qui essaie de rentrer un peu plus sur le Link. Link qui attend un peu, du coup, justement, il prend encore la pression. Cette bombe, il la lance, il la récupère, il la relance des fois que ce soit pas assez. Joli des tilts. Vraiment une bonne pression quand il lui met une bombe dans les mains. Ça fait deux fois qu'il lui met des phases entières comme ça. Vince, quand même, dans l'ensemble sur ce match, qui a eu beaucoup de mal en étant juste bloqué à l'edge ou près de l'edge. Il a pas tout l'espace dont il a besoin. Et à chaque fois qu'il essaie de reprendre le stage comme ça, il se prend des jabs, des dash attack, des dash grabs, des options très rapides qui permettent à Jimmy Lord de reprendre le stage control. Et il se rapproche un peu trop, hein. Jimmy Lord qui réussit à se coller à lui au moment du lancer du projectile, justement. C'est ça. Oh, joli backer, il s'était bien mis en position pour ça, justement. Jimmy Lord commence à s'habituer un peu plus aux distances des différents projectiles, du temps que ça met à se lancer. Et il arrive à très bien se placer, voilà, pour contourner, contre-attaquer derrière. Mais Vince qui a toujours pas dit son dernier mot, mine de rien. Vince, ouais, qui s'enfuit direct après les deux hits du jab. Il s'était fait backthrow à cet endroit-là de la game, c'était terminé. Il reprend vite ses distances, passe down, smash on shield, les boules de feu qui le mettent dans ce coin. Jimmy Lord qui est dormi en shield, joli F-tilt à la fin du D2 jab, justement. Il a vu que Vince s'était écarté au coup d'avant, il savait que le deuxième jab il allait partir. Et Vince qui met la pression juste avec ce smash, on sait jamais, est-ce qu'il va lancer le deuxième match un peu en retard ou quoi, on veut se presser sur une punition, on se prend ce deuxième smash. Mais Vince bien patient, il attend jusqu'au bout, il laisse Jimmy Lord reculer. Franchement, Vince qui met une super pression avec ses projectiles, c'est vraiment compliqué de maintenir un jeu à distance comme ça quand t'es autant en retard. Mais malgré tout, avec l'énorme avantage qu'avait accumulé Jimmy Lord avec ses gimps, évidemment c'était trop compliqué pour Vince, malgré un spacing très solide, il finit par se faire deux stocks.